Bonjour et bienvenue sur la chaîne Carnet de Vignoble. Donc aujourd'hui, je me retrouve chez mon caviste et là pour vous présenter une nouvelle bouteille, une nouvelle appellation que je vais vous présenter. Alors, il s'agit d'un Saint-Amour Domaine des Ducs millésime 2020. Saint-Amour, ça se trouve où? Dans le Beaujolais. Alors, je vous propose de me suivre. Donc là, on se trouve dans les vignes du cru Saint-Amour, dans le Beaujolais. Et là, comme vous pouvez le constater, on est sur une taille de vigne bien particulière. Je vais vous le montrer. On est sur une taille qu'on appelle en gobelet. Donc une taille en gobelet, qu'est-ce que c'est? Hop, je vous montre. Voilà, c'est un pied de vigne, d'accord, qu'on va tailler vraiment court. Voilà. Pour que ça repousse donc la saison prochaine. Voilà une taille en gobelet, à la différence des tailles en guyot que je vous ai montré dans d'autres vidéos, où là, il y a plusieurs ramifications. Voilà. Donc ça, on est sur une vieille vigne qui a à peu près 50 ans, mais on peut en trouver encore de plus anciennes dans cette appellation Saint-Amour. Allez, on me suit et c'est parti. Donc nous voici sur la place du village de Saint-Amour, juste devant l'église. Et pour tout ça, pour vous raconter une anecdote, le nom de la ville de Saint-Amour provient d'un soldat romain qui, pour échapper à un massacre en 286, il s'est réfugié sur les hauteurs de ce village. Et ce soldat romain, il s'appelait Amor. Le voici, juste là. Donc ici, Saint-Amour a bénéficié d'une si grande notoriété au sein des amoureux, et bien au niveau de la mairie, des cœurs partout, voilà. On fait un petit rappel au nom de la ville. Allez, suivez-moi. Donc là, nous nous trouvons dans le village de Saint-Amour, Bellevue. Et cette notoriété donc de Saint-Amour est si forte à l'étranger, notamment en raison, bien sûr, du nom, hein, et donc des opérations commerciales qu'ils peuvent proposer pour les mariages ou la fête de la Saint-Valentin. Et ici, tous les bâtiments nous le rappellent. Voilà. Par exemple. On se retrouve sur les hauteurs de Saint-Amour. Alors, le cru Saint-Amour, cru du Beaujolais, le plus septentrional, d'accord, donc le plus au nord. Ici, on a une appellation d'origine contrôlée qui date de 1946. On produit là, sur Saint-Amour, uniquement des vins rouges. Le cépage, c'est le Gamay. On a 320 hectares de vignes plantées. Le sol, on est sur un sol d'argile à silex. Ça va nous donner donc des vins assez fruités. Le potentiel de garde de ces vins-là dépasse rarement donc 5 ans. C'est des vins quand même à boire jeune. Et au niveau de la gamme de prix, on va situer entre 10 à 15 euros la bouteille. Voilà, en fonction de la gamme du vigneron. Donc là, derrière moi, ce que vous voyez, c'est les monts du Beaujolais. On va suivre la visite. Allez, c'est parti. Alors ça y est, on se trouve au domaine des Ducs, à Saint-Amour. Donc là, maintenant, place à la dégustation. Allez, c'est parti, suivez-moi. Et voilà, nous voilà de retour du vignoble de Saint-Amour. J'espère que cette visite vous a plu, notamment le village, et puis
le vignoble. Alors, pour ce qui est des associations mets et vins avec le vin de Saint-Amour. Donc moi, ce que je vous propose, ça va être très bien sur des viandes blanches comme le veau ou l'agneau, mais notamment aussi les volailles. Ce qui peut être très bien aussi, c'est avec des charcuteries fines comme la copa, la viande de grison. Et pour ce qui est des fromages, ce sera très bien avec des fromages à pâte molle comme le camembert. Et on aura aussi un accord qui sera très intéressant avec des desserts aux fruits rouges. Voilà. Donc si, comme moi, vous avez aimé donc la découverte du vignoble de Saint-Amour, mettez-moi un petit commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous likez. Et puis, bah, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, vous abonnez. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos.